Dion. Un tir qui a été dévié par Gorionov. C'est repris au point d'appui par Dion. Dion, un tir bloqué devant le compte! Tyler Peddle, son troisième de la saison. À force de tournoyer dans la zone des Tigres, ça crée quelque chose. Peddle, la vitesse de sa passe, de ses passes, elle va être notoire. Écoute, c'est assez spectaculaire. Là. Il a une dégaine rapide pour tout ce qu'il fait. Ça veut dire que son temps de réaction, son temps de prise de décision est ultra rapide. Ça va être très difficile pour les défenses adverses de s'adapter. Et plus il va aller, plus il va être en confiance. Écoute, 3-3 pour Peddle. Troisième but à son troisième match. Remise en jeu remportée par les Vols en jeu face à Frenette à la droite de Lapena. C'est remporté par les Tigres. Un tir contre! Quel tir puissant de Brooklyn Kalmykov. Et il avait fait la même chose à Shawinigan la semaine dernière. Il a un tir puissant, Kalmykov. Il sera surveillé cette année. Oui, et ce genre de dégaine-là laisse peu de chance à la défensive ou au gardien de but. C'est l'importance de gagner ses mises au jeu en zone défensive. Ouais. C'est dans les objectifs de match hein, des entraîneurs de dire qu'il faut gagner tant de pourcentages. On va voir là à la reprise. Remettre vers Frenette. Charon fait du bon travail. Cependant, attention, Dion là, qui a de l'espace. Tente une remise devant le filet. Ça a été intercepté cependant. Kalmykov veut sortir, mais c'est Morin. Il va en un tir. Et quel arrêt de Nicolas Artubiz sur Édouard Charon. Wow! Intercepté le disque. Woodward cherche une option. Un tir contre! Look Woodward! Ça, c'est la loi de la moyenne. C'est au volume. On vient d'avoir. C'est une rondelle qui a traversé Urtubiz là-dessus, qui ne devrait pas rentrer habituellement. Mais en même temps, tous les joueurs des Tigres étaient statiques. Je ne sais pas ce que les Vultures ont fait la semaine dernière pour ne pas avoir de succès. Je comprends que les Foras de Val-d'Or ont une excellente équipe de hockey. Mais ce soir, par contre, devant leurs partisans, ils ont tout gardé pour eux. Ils sont en mouvement, ils bougent beaucoup la rondelle. Et c'est très difficile pour les joueurs des Tigres présentement d'être efficaces dans leur zone. Ouais. Déjà un deuxième filet cette saison, pardon, pour Peddle qui transfère vers Woodward, vers Côté. Tir contre! Justin Côté tire dans la partie supérieure, 3 en les voltigeurs. Il y a le rondelle qui, je crois, a dévié sur ouais. Frenette lors de sa glissade. Ça se dessinait bien. On a pris notre temps, on est venu s'installer, contrairement à un 5 contre 4 où on s'installe en haut de zone. On est venu s'installer en bas de zone. On n'a pas vu ça l'an passé. Alors, Steve Hartley travaille différemment ses unités là, d'avantage numérique et d'avoir là, ces deux joueurs qui se passent la rondelle de cette façon-là. On a créé l'ouverture, on a été obligé de forcer les défenseurs des Tigres à descendre plus bas vers le filet, ce qui a dégagé le haut et qui permet à Côté de prendre un lancer à cet endroit-là. Un tireur comme Côté, ça rate rarement ce genre d'occasion vers Gendron. Gendron voulait remettre vers Coulon, mais sans regarder. Ça, c'est une passe que les entraîneurs n'aiment pas. Mais attention, Gendron se faufile entre les défenseurs et ça a été stoppé par Lapena. Barry, le long de la rampe, frappé solidement par Diop. Lever la tête, ce qu'il n'avait pas fait lors de la première sortie de zone. Et ce qu'il n'avait pas fait là non plus. Dégagement. Dion voulait intervenir. Attention, là, c'est Barry qui va s'amener rapidement chez les voltigeurs. On va s'échapper au filet de Lapena. Tiens, arrête de Lapena du bout de la jambière. Avec Côté, possibilité de 2 contre 2. Un tir de Charon bloqué. Autre tir. Arrêt de la mitaine d'Urtubiz alors que Peddle a un tir. Et contre! Tyler Peddle qui vient battre Nicolas Urtubiz va s'en vouloir. Il a fait de beaux arrêts ce soir. Mais là, c'est un mauvais but qu'il vient d'accorder au voltigeur. C'est le deuxième filet comme ça où la rondelle passe au travers lui. Peddle, comme tous les autres très, très, très bons marqueurs, trouve des moyens de compter. Il s'en allait lancer, puis c'est ce que je m'en allais dire après l'intervention. C'est quand ils prennent des lancers, ils deviennent dangereux tout le temps. Et vraiment, si c'est un lancer qui est quand même à la bonne hauteur, qui est difficile pour le gardien de but, on a quand même une possibilité de faire des tente de battre de vitesse sur Tandy. Ça rate la rondelle qui sera récupérée. Attention, le pari Hughes qui va s'amener avec Peddle à 2 contre 1. Hughes du côté droit. Hughes, un tir contre! Simon Hughes! Et c'est son premier en carrière! Je pense que les gens de Drummondville vont l'aimer. En fait, Philippe Boucher doit dire « Ah, OK, c'était pas fou comme échange. » Dans le fond, le groupe de dépisteurs, on le voit, il arrive à l'aile. En fait, il arrive hors l'aile. Il place sa rondelle. T'sais, sa rondelle est de côté. Ça veut dire que c'est un lancer qui est vif, qui donne pas beaucoup d'indices à Urtubiz.
subise là-dessus. Et toi, t'as pédale. Alors, il ne peut pas se compromettre trop rapidement là, du côté de Tubize parce que si la passe...